En 69-73, au moment de la famine généralisée, moi j'étais sur le terrain. L'explication qui avait été donnée aux croyants, c'était ça. Hein. C'était vous êtes de mauvais croyants, vous n'êtes pas vous êtes le mauvais croyant, le mauvais musulman, pas de mauvais croyant, le mauvais musulman. Un bon musulman devrait faire ça et ça et ça, c'est ce que vous n'avez pas fait. Donc Dieu vous punit. Dieu, il sait tout. Il connaît tout. Il sait ce que tu fais, etc. Donc tu obéis à Dieu. On retrouve ça dans le contenu des cassettes de Koufa, c'est la gouvernance divine. Et vous ne pouvez rien faire contre la gouvernance divine. C'est Dieu qui décide de tout. Il donne même des exemples, hein. Il est fabuleux, Koufa. Il donne des exemples en disant l'islam condamne l'adultère. Donc, si tu fais l'adultère, il ne faut pas que tu le dises à l'imam du coin. Parce que si tu le dis, il condamne le machin, mais en même temps, il dit, il faut que tu mentes, il ne faut pas que tu ailles... Bon, c'est déjà... Comment tu fais l'amour? Dans les presses, dans les mosquées, hein, tu fais l'amour comment? Sur la couverture ou sous la couverture? Dans l'intimité? Vous vous rendez compte de la force des trucs comme ça, là? Si tu le fais sur la couverture, Dieu, de toute façon, il sait comment tu as fait l'amour. Donc il vaut mieux que tu fasses l'amour sous la couverture. Quand vous voyez des trucs comme ça, qui sont diffusés sur des cassettes, etc., nous on rit, mais eux ça les fait pas rire. Il va jusque dans des intimités très, très, très profondes. Hein. Donc tout ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'issue en dehors de la religion et en dehors de la gouvernance divine. Et bon, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais dans ces circonstances-là, vous allez négocier quoi? Sur l'existence de Dieu ou la non-existence de Dieu? Il n'y a pas grand-chose de négociable. S'il n'y a pas grand-chose de négociable, le contenu des accords de paix reconnaît le bien fondé de l'existence des cadis. Donc vous allez avoir deux justices. Une justice émanant du ministère de la justice laïque, et une justice religieuse à travers les cadis, institutionnalisée et reconnue par l'État. Comment vous allez gérer ça? Autant le cadi est un personnage musulman important, on lui laisse le pouvoir local, mais on n'institutionnalise pas sa fonction. Si on institutionnalise sa fonction, on institutionnalise le bien fondé du recours à la religion comme étant un des éléments de l'organisation du politique. C'est ça qu'il y a derrière. Donc il faut appliquer la charia. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire aussi autre chose, mais ça m'est sorti de la tête. Peut-être que ça va me revenir tout à l'heure, ou demain je vous téléphonerai pour vous dire. Non, c'est sur les accords de paix, là. Ouais. Ah oui, les accords, voilà, c'est ça, les accords de paix. Ils se sont rendus compte, les décideurs, là, il y a la moitié de tarés, mais il y a la moitié qui n'est pas taré, qu'il fallait procéder à une relecture intelligente des accords de paix. Donc, ce n'est pas destiné à des crétins, déjà, puisqu'il faut une relecture intelligente. Relecture, ça veut dire que c'est lu. Dans un contexte où vous avez 27% de la population qui est lettrée, ça ne veut pas dire qu'ils savent lire. Ils sont lettrés. Donc, quand vous voyez des aberrations comme ça, relecture intelligente, il y a l'ex-premier ministre qui est un Touareg, Kalantassar, qui a fait un livre blanc sur la relecture intelligente de l'accord de paix. Mais comment on peut faire des trucs comme ça? Ça ne veut rien dire, strictement rien dire. Qu'est-ce que c'est qu'une relecture intelligente? Donc moi, dans tous les débats que j'ai faits à Bamako, j'ai dit que ça n'a pas de signification. Il faut renégocier les trucs en avançant des arguments. Si vous ne renégociez pas l'accord, les présidents de région seront des présidents salafistes, ils arriveront au pouvoir démocratiquement et tout, j'ai vendu ma camelote comme ça. Donc ils m'ont écouté en me montrant qu'ils n'avaient pas pensé à tout ça. Comment des politiques ne pensent pas à tout ça? Nous, on a fait pendant 6 semaines à RP Média, qui est un truc comme ça. On était quatre, il y avait comment va
Sidi Bé, Yamoudou. On était cinq. On a décortiqué l'accord article par article. On a fait un travail pédagogique important, hein, à des gens qui savent écouter mais qui ne savent pas lire. Donc on a eu un certain écho. Après, ça a débouché sur quoi? Sur rien, si ce n'est qu'on a sensibilisé les trucs au fait qu'il ne faut pas appliquer l'accord. Comment vous pouvez avoir un écho sur le fait de ne pas appliquer l'accord quand vous avez les Algériens, pays médiateurs de l'accord, les Français qui poussent à la roue l'application stricte, stricte de l'accord, et une junte au pouvoir qui ne dit rien? Après, on se pose des questions. Qui a intérêt à la disparition de l'État-nation? Qui a intérêt à la création de régions-États sous des formes fédéralistes, etc.? Qui? C'est ça que je voulais dire, c'est la relecture intelligente. Relecture intelligente, ça veut dire qu'ils ont pris conscience qu'il y avait des problèmes. Mais c'est largement en deçà des réalités. On ne peut pas continuer avec l'État-nation tel qu'il fonctionne actuellement. Il y a des améliorations sensibles à faire, y compris sur le plan institutionnel et sur le plan constitutionnel. Mais quant à liquider ça et tomber sur un système fédéral, le système fédéral, on a vu ce qu'il a donné au Nigeria avec le Biafra. Le système fédéral est loin de résoudre tous les problèmes. Surtout quand on ne prévoit aucune structure transversale qui irait dans le sens d'un rééquilibrage des richesses régionales. Après, vous avez certains de mes copains Touareg qui me disent « qu'est-ce que tu te casses la tête ?» Laisse-les faire, ils vont s'étriper dans quelques temps, une fois qu'ils sont au pouvoir. Tu les connais aussi bien que nous, ils vont s'entretuer. Ben, peut-être, mais moi je ne suis pas sûr pour le fait qu'ils vont s'entretuer. C'est ça aussi, encore une anecdote. Ils me disent, t'as rien compris au Touareg. Moi, j'ai expliqué comment on fonctionne. T'es sur le chameau, tu te déplaces, tu navigues, le soleil il va se coucher, t'en as marre, on va se poser, on va faire le thé, il y a la conversation, et puis à un moment donné, la conversation tombe. Il y a quelqu'un qui dit, et si on faisait un coup d'État? C'est une histoire qui est tellement superbe. Dans des situations d'une complexité aussi redoutable, la notion de démocratie n'a plus de validité opératoire. Dans un contexte où, dans le cas du Mali, dans le cas du Burkina, c'est les militaires qui sont au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Donc ça repose le problème de la démocratie. Le second problème, qui est tout aussi important, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de cette crise que l'on dit multidimensionnelle. Je ne supporte pas l'expression parce qu'elle est tellement multidimensionnelle que le terme est insuffisant. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des conditions comme ça? Je ne vois pas très bien. Le rapport des forces militaires n'est pas en faveur des forces loyalistes, c'est en faveur des groupes armés salafistes djihadistes. Je ne vois pas non plus émerger un parti politique laïque qui serait susceptible d'avancer peut-être pas un projet de société, mais enfin un embryon de projet politique, je ne vois pas. Donc, que faire? Sur le plan international, on ne peut pas dire que ça va bien quelque part, ou que l'on aille. C'est des problèmes énormes. Donc, on peut pas. Les éléments d'explication qui seraient des éléments d'explication faciles sur le plan politique ne permettent pas de les mettre en œuvre. Donc, que faire? Il y a un type là, je crois qu'il s'appelait Lénine, non? Il a fait un truc comme ça avec un point d'interrogation. Manque de pont, on ne peut pas compter sur lui parce qu'il est mort. Il n'a toujours pas répondu à la question. Donc, plus sérieusement, c'est des situations dramatiques. Ça, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est désarmant. C'est désarmant parce que, en tout cas, moi, je me sens complètement neutralisé. Neutralisé, ça veut dire inefficace. Plus en mesure non plus de faire des analyses politiques, parce qu'il y a tellement de fake news, il y a tellement de trucs qui génèrent la confusion, c'est qu'on a perdu nos repères. À l'époque des blocs, c'était relativement facile, parce que c'était deux blocs, on pouvait faire des trucs, là. Maintenant, avec la mondialisation multiculturelle, tous nos repères foutent le camp. Je vais vous citer un exemple. Les rapports entre la Russie et la Turquie.
ils sont dans le même groupe avec les accords de coopération militaire de Shanghai, dirigés par la Chine et par la Russie. Quand j'étais en Sibérie, ils avaient fait des manœuvres politiques. Ces deux-là se retrouvent en Libye sur des positions complètement opposées. À un moment donné, chaque État défend ses propres intérêts. Alors que la Turquie est soutenue par la Russie et par la Chine dans les accords de coopération de Shanghai, parce que sur le plan culturel, le Turc est important en Asie centrale, et dans d'autres circonstances, il se tire la bourre. L'attitude, les objectifs de la Turquie sur l'Afrique, c'est pas petit, hein, ils sont dans une politique offensive. Donc tout ça, on ne peut plus faire des analyses de type global. Parce que c'est souvent au niveau local que ça se passe. Ensuite, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de concept qui permettrait justement de faire d'articulation entre le local et le global. Je peux voir ce qui relève du local, je peux voir ce qui relève du global, mais je n'ai rien à proposer pour sortir de... Vous voyez, c'est dramatique. Hein. Ça veut dire que notre, en tout cas, mon incapacité sur le plan politique... Même si je comprends un petit peu les choses, je n'ai rien à proposer. Ou ce qui est à proposer est irréalisable. On va consulter Dieu. Non, son fils. Pas Dieu lui-même, son fils. Bon, ouais. Voilà. C'est pas très optimiste, mais bon, bah, c'est la réalité. Hein. Ouais, mais enfin, on voit bien comment elle s'est construite.